today's stars, tomorrow's leaders. Aujourd'hui, vous allez tout savoir sur les 14e championnats du monde de foot en salle qui se sont tenus à Malaga. Nous vous présenterons Denise et Henrique avant de filer à Porto pour les mondiaux de beach volley. Direction la Pologne également pour le tournoi de tir à l'arc. Enfin, nous terminerons avec les mondiaux de lutte en Hongrie et vous saurez qui a été couronné. Située dans le sud de l'Espagne, Malaga fait partie de la région de l'Andalousie. Nous sommes allés du côté d'Antequera, une ville médiévale connue pour sa forteresse mauresque. C'est donc ici que se sont tenus les 14e championnats du monde universitaire de foot en salle. Du 13 au 20 juillet, 16 hommes et 8 femmes se sont affrontés, le tout grâce à l'université de Malaga. C'est notre 4e organisation d'un championnat du monde. C'est une stratégie universitaire d'utiliser le sport pour asseoir la réputation de notre université. Le sport est un moyen d'accroître notre excellence académique sur le plan international, de la même manière que l'on peut le faire dans différents domaines de la recherche. Pour de nombreux étudiants, ce tournoi reste l'unique occasion de voyager à travers le monde. L'occasion également de se découvrir et de tisser de nombreux liens. L'atmosphère ici est vraiment superbe. Les gens ici, tout comme les organisateurs, nous aident beaucoup. Dans notre pays, nous sommes complètement anonymes en tant que sportifs amateurs. Ici, on a vraiment l'impression de jouer le mondial. C'est un sentiment vraiment agréable. Si le niveau général est très élevé, l'équipe féminine brésilienne fait partie des plus solides et espère bien atteindre des sommets. Représenter mon pays reste toujours un grand honneur. C'est une grosse responsabilité pour moi car beaucoup de filles restent au Brésil alors qu'elles veulent aussi représenter notre pays. C'est pour ça que je suis heureuse de porter le maillot brésilien pour essayer de défendre notre titre aux mondiaux. Les équipes font donc leur maximum pour avoir les meilleurs joueurs lors de la compétition. Résultat, les études sont parfois un peu mises de côté. Au cours de cette compétition, mon université est en période d'examen, donc ils m'ont donné l'autorisation de les passer plus tard quand je rentrerai chez moi en Géorgie. Lors de chaque édition, les surprises sont au rendez-vous et malheureusement pour le public, cette année, l'équipe masculine espagnole est tombée dès les quarts de finale face aux Biélorusses. Mon université fait beaucoup pour aider les athlètes. Les sportifs peuvent obtenir des bourses de la part de l'université. Ils ont également l'autorisation d'avoir des dates d'examen différentes. Cela représente une aide réelle pour eux. Autre quart de finale chez les dames, et cette fois-ci pas de grosse surprise puisque le Brésil s'est imposé face à l'équipe du Portugal. Mais pas de quoi décourager Melissa Antunes. Je connais l'université de Minho. Ils font beaucoup de choses pour maintenir le niveau des étudiants, à la fois en sport, mais également dans les études. Ils font un excellent travail, il y a un réel équilibre concernant ces deux aspects. C'est une vraie symbiose. L'université d'Azad m'aide à me rendre au championnat qui se déroule en Iran ou à venir au championnat du monde ici. C'est leur manière de me venir en aide.
Et lors de la petite finale, justement, l'Iran affrontait la Biélorussie pour tenter de décrocher la médaille de bronze. Mais finalement, les Biélorusses ont pris le meilleur sur leurs adversaires pour accrocher la troisième place. Finale de haute volée entre deux équipes surmotivées. D'un côté, les Brésiliennes, toujours présentes lors des grands rendez-vous, et de l'autre, les Espagnoles qui espéraient bien frapper un gros coup à domicile. Je sais que je ne peux pas gagner ma vie grâce au foot, mais je le pourrais si je suis médecin plus tard. Je veux poursuivre mes études de médecine, j'aimerais vraiment être chirurgien et ça demande beaucoup de temps. Donc le foot en salle est devenu un hobby. Je ne veux pas arrêter car c'est aussi ma vie, mais en ce moment ça n'est qu'un loisir. Contre toute attente, l'ambiance au sein de l'équipe espagnole est très détendue juste avant la finale. Les joueuses sont chez elles, confiantes et impatientes. Un peu plus loin, dans leur hôtel, les Brésiliennes règlent les derniers détails. Cela fait 3 ans qu'elles décrochent le titre mondial et elles comptent bien ne pas s'arrêter en si bon chemin, avec toujours une pensée pour leurs proches. Être loin de son pays peut nous rendre tristes, car la plupart du temps, on est à la maison. Aujourd'hui, le foot en salle, c'est ma vie. Je peux en vivre et je peux aider ma famille grâce à ça. Ils le comprennent et acceptent donc mieux la séparation et la distance. La tendresse et l'attention de nos parents nous manquent. Donc, par la force des choses, le foot en salle est devenu notre famille. Jamais 203, mais pour le Brésil, c'est plutôt jamais 304. La Seleção s'impose finalement 3-1 pour décrocher son 4e titre consécutif. L'Espagne doit donc se contenter de la médaille d'argent devant la Russie qui termine sur la 3e marche du podium. C'est au tour des hommes d'en découdre. Les Russes se détendent à leur hôtel avant leur finale face au Brésil. La Seleção reste la grande favorite pour la médaille d'or. La Russie n'a donc rien à perdre. Mais la pression n'est pas vraiment plus forte côté brésilien. Les joueurs profitent des derniers instants pour écouter les messages de leurs proches et se reposer. Pas de doute, ils sont prêts pour l'ultime rencontre. Força Brasil! Et justement, l'heure de la finale a sonné, la salle est pleine à craquer et les spectateurs sont survoltés. La première période n'offre pourtant pas de grosses surprises. Les Brésiliens s'envolent et mènent 3-0 face à des Russes incapables de renverser la vapeur. Mais après la pause, coup de tonnerre, le Brésil s'effondre et enchaîne les erreurs. Les Russes en profitent et parviennent à égaliser avant de dominer les débats. 8-5, score final et médaille d'or pour la Russie qui a su profiter de la baisse de régime du Brésil. Cette finale aura en tout cas été riche en rebondissements et aura largement contribué au succès de ce mondial universitaire. Surtout, restez bien avec nous. Dans la seconde partie de ce campus, nous ferons plus ample connaissance avec Denise et Enrique, deux joueurs de foot en salle. Et puis nous irons ensuite à Porto pour les championnats du monde de beach volley. Alors, à tout de suite. When education meets sport and culture, what best promotes excellence in mind and body? Where do friendship, integrity, and achievement meet? Which event gathers the best student athletes from around the world? The Universiade. The home of international university sports. Today's stars, tomorrow's leaders. Lors de ces 14e championnats du monde universitaire de futsal à Malaga, nous avons rencontré deux athlètes venus de deux continents.
Denise est uruguayenne, elle a débuté le football traditionnel à l'âge de 9 ans. Elle est aujourd'hui étudiante en économie, mais elle est véritablement passionnée par le futsal. Et ces championnats du monde étaient pour elle l'occasion de vivre pleinement sa passion. Enrique, lui, est espagnol. Il est originaire de Murcie, où il étudie le management du sport. Son université lui octroie tous les avantages d'un athlète de haut niveau comme lui. Ce sont mes premiers et mes derniers mondiaux. C'est dommage que ça soit les derniers, mais c'était incroyable de le faire. Et j'aurais au moins pu participer une fois dans ma vie. Découvrir d'autres cultures, c'était passionnant, c'était incroyable. Arriver à l'hôtel, partager plein de choses avec les autres délégations, les autres cultures et les autres pays. C'était une aventure humaine intéressante de vivre ensemble comme on l'a fait pendant 10 ou 12 jours. C'était parfait parce que le groupe était très agréable, la compréhension mutuelle était incroyable. On s'est lié avec des gens que l'on n'aurait jamais pu rencontrer dans une autre situation grâce à ces championnats du monde universitaire. Vivre au quotidien avec différentes nationalités, c'est vraiment cool. On a pris en charge toutes les dépenses de ce voyage. Les billets d'avion, l'hôtel, la nourriture, on a tout payé. L'université de Cam à Murcie aide beaucoup les étudiants en leur octroyant des bourses. On joue sous les couleurs de l'université et on obtient les distinctions. Cette année, l'UCAM a obtenu le titre de meilleure université espagnole. J'ai besoin de travailler. J'étudie et je joue au foot en salle. Malheureusement, je suis obligée de travailler en même temps car ma passion a retardé mes études. Ma carrière a été ralentie, mais j'espère terminer mes études le plus vite possible. La carrera lo antes posible, ¿no? Je suis très discipliné dans mes études et même si les professeurs vous aident, vous devez être très organisé. Il est possible de manquer quelques cours, mais quand on se retrouve devant les examens, on est tous à égalité. Le foot féminin évolue doucement. Enfin, c'est ce que je crois. Les femmes n'ont pas le même soutien que dans le foot masculin. En tout cas, ici, ça n'est pas le cas. Dans mon pays, certaines personnes ne savent même pas que le foot féminin existe. La FISU, la Fédération internationale du sport universitaire, est très concernée par l'égalité des sexes. Le sport féminin a été intégré très tôt dans son programme de compétition. Nous avons beaucoup de chance parce que les championnats du monde de la FISU sont ouverts aux femmes comme aux hommes. On peut venir assister aux rencontres féminines pour les soutenir parce qu'elles étudient dans la même université que nous. On a la possibilité de les encourager et elles font la même chose pour nous. En tant que femme, j'ai demandé à la FISU de continuer de soutenir le sport féminin. Et surtout dans ce genre de discipline. J'espère qu'ils pourront mettre la pression sur mon pays et investir de plus en plus. Ce que j'ai vu lors de ce tournoi, c'est qu'on est moins bien lotis dans tous les aspects. Au niveau sportif, économique, on est très loin des autres équipes. Mon rêve serait que le futsal puisse intégrer le programme de la prochaine Universiade d'été et pourrait également faire partie des Jeux Olympiques. Cela donnerait un petit éclairage olympique au futsal. Son rinconcito dentro de la Olimpiada.
Située au bord de l'estuaire de la rivière Douro, au nord du Portugal, Porto est une des villes européennes les plus anciennes. Elle fait partie des sites classés au patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 1996. Son nom latin, Portus Calais, serait également à l'origine du nom du pays, Portugal. À Porto, 32 équipes masculines et 26 équipes féminines se sont disputées le titre mondial universitaire de beach volley. Au fil des années, nous avons développé des facilités extraordinaires pour créer ce tournoi. Nous avons le soutien de l'université, du programme sportif universitaire et du gouvernement portugais. Le Portugal est l'endroit idéal pour faire de cet événement une réussite parmi les épreuves disputées sous l'égide de la FISU. Les demi-finales féminines voient l'équipe allemande numéro 1, Behrens Seifert, s'imposer 2-0 face aux Espagnols Gutiérrez et Herrero. Dans le match suivant, le duo américain Tix Pardon a eu besoin de 3 sets pour venir à bout des Norvégiennes Solvoll et Lunde et assurer leur place en finale. En finale, les deux Américaines sont impitoyables et dominent les Allemandes 2-7 à rien pour s'offrir le titre mondial universitaire dans cette discipline. Les demi-finales masculines atteignent des sommets. Deux équipes européennes s'en sortent victorieusement. C'est d'abord l'équipe d'Allemagne 1, Holler Schröder, qui élimine le Brésil 2-0. Puis la formation polonaise vient à bout de l'Autriche 2-1. Des Autrichiens qui obtiendront finalement la médaille de bronze. En finale, l'ambiance est très chaude et les deux équipes s'affrontent devant un stade plein. Le duo allemand Holler Schröder est impressionnant et s'impose 2-7-0 face aux Polonais. Les cérémonies finales seront l'occasion de remettre des médailles aux 6 équipes récompensées, mais aussi de transmettre le drapeau de la FISU du Portugal à l'Estonie, qui organisera les prochains championnats du monde universitaire en 2016. Et dans notre troisième partie, on ira en Pologne et en Hongrie pour les championnats du monde universitaire de tir à l'arc et de lutte. Restez avec nous. When education meets sport and culture, what best promotes excellence in mind and body? Where do friendship, integrity, and achievement meet? Which event gathers the best student athletes from around the world? The Universiade, the home of international university sports. Today's stars, tomorrow's leaders. Direction la Pologne à présent, à Lenica plus exactement. Située au sud-ouest du pays, Lenica a accueilli les 10e championnats du monde de tir à l'arc. Un événement qui a réuni pas moins de 206 étudiants, un record dans l'histoire des mondiaux universitaires. Champion olympique en 1992, Juan Carlos Holgado est impressionné par l'organisation du tournoi. D'après lui, cela augure une superbe compétition. En tant qu'ancien athlète de haut niveau et dans ma position de directeur du tir à l'arc universitaire, je peux vous dire que cet événement est du plus haut niveau mondial. Médaillé de bronze sur l'épreuve par équipe, Jackson Hunter a tout donné. Malheureusement pour l'Américain, deux autres athlètes ont fait mieux que lui. Mais peu lui importe, le résultat ne fait pas tout. Ce championnat est une opportunité de représenter mon pays, mais également mon école. Et puis, je fais également connaissance avec d'autres athlètes que je n'avais jamais croisés avant. Pas moins de 10 épreuves étaient au programme de ces mondiaux, et au final, c'est la Corée qui a dominé les débats avec un total de 4 médailles d'or. Mais sur l'épreuve individuelle de l'arc à poulie, c'est l'Italienne Katia D'Agostino qui s'est imposée devant la Mexicaine Stefanie Salinas Perea, tandis que la Slovène Cherne Toya a accroché la 3e place. C'est encore une super expérience pour moi. Je constate que mon travail est bon, donc je vais continuer sur cette lancée.
Autre épreuve et autre vainqueur lors du concours individuel masculin. Un concours ultra tendu qui a finalement vu l'Ukrainien Vladislav Bolchakov s'imposer devant le grand favori coréen Jung-ho Kim et l'Américain Daniel Gregory. Podium 100% asiatique lors de la finale de l'arc classique. Victoire de la Taïwanaise Ya Ting devant deux Coréennes, Jeong Hwa-shin et Une Young-jeon. Déjà médaillé d'argent lors de l'épreuve par équipe, Luis Antonio Alvarez Murillo a également décroché une médaille d'or lors de la compétition individuelle. Il espère donc bien défendre son titre aux prochains mondiaux qui se dérouleront dans deux ans en Mongolie. Nous avons vraiment invité de très nombreux pays et cela servira d'épreuve test avant les Jeux olympiques de Rio de Janeiro. La Mongolie a également une grande tradition en matière de tir à l'arc traditionnel. Et la famille du tir à l'arc pourra venir et voir le tir à l'arc mongol et découvrir également l'histoire de la Mongolie. C'est donc à Ulaanbaatar que se dérouleront les prochains et derniers championnats du monde universitaire de tir à l'arc. La discipline fera ensuite partie du programme des Universiades de 2015 et 2017 au titre de sport optionnel, avant d'être obligatoire en 2019. Cinquième plus grande ville hongroise, Pécs a accueilli les 11e championnats du monde universitaire de lutte. Une compétition en terrain connu puisque la Hongrie avait déjà organisé pas moins de 10 événements mondiaux et européens. La FISU ainsi que les participants ont donc pu profiter de l'expérience du pays hôte. Lors de ces mondiaux, 8 catégories de poids étaient représentées en lutte libre et lutte gréco-romaine. Le programme était donc très chargé. Pour ce championnat spécifique, nous avons autour de 280 participants venant de 30 pays. Nous avons également plus de 100 bénévoles et un comité d'organisation qui a permis de mettre sur pied cet événement. Et la réussite a été au rendez-vous. Un succès concernant l'organisation, mais également côté sportif. Le niveau des lutteurs s'est révélé particulièrement élevé cette année. Les étudiants sont arrivés tous très motivés, ambitieux, mais avant tout ravis de participer à ces championnats du monde. Tout de suite, on écoute l'étoile montante de la discipline, l'Américain Patrick Smith. Pour moi, c'était une super expérience. C'était la première fois que je participais aux championnats du monde universitaire, donc c'est vraiment super de représenter mon pays et d'affronter quelques-uns des meilleurs athlètes mondiaux. Une belle expérience qui s'est également avérée efficace pour Patrick Smith, qui s'est défait du japonais Naoya Nakamura en demi-finale, 9-7. Malheureusement pour lui, l'étudiant de Minneapolis n'a pas réussi à réitérer en finale face au héros local, Tamás Lorinch, qui a décroché l'or en gréco-romaine. C'était la première fois que je participais à des championnats du monde universitaire et je savais également que c'était ma dernière participation parce que la limite d'âge est fixée à 28 ans. La prochaine fois, je ne serai pas autorisé à y prendre part. Je suis très heureux d'avoir remporté cette médaille. Malheureusement, le niveau n'était pas aussi relevé que je l'avais cru, mais c'était quand même une bonne compétition. Médaillé d'argent aux Jeux de Londres, Tamás Lorinch a dominé les débats, mais il n'est pas le seul. Chez les 66 kilos, son compatriote Christian Yeager s'est imposé face au Turc Abdul Samed Gunal. Autre catégorie et autre titre hongrois chez les 75 kilos. Cette fois-ci, il s'agit de Laszlo Szabo, vainqueur en finale face à l'Ukrainien Oleksandr Kukta. Le public hongrois a été gâté puisque dans la catégorie des 98 kilos, un autre athlète local s'est illustré. Ivan Nemeth a pulvérisé le Turc Mahmut Alkan sur le score sans appel de 6-0. Enfin, pour clore ces mondiaux en beauté, Balin Lam s'est imposé face à Ismaël Gutzel chez les 130 kilos. Une belle récolte qui pourrait bien booster le sport universitaire en Hongrie. Le sport universitaire est de plus en plus important en Hongrie. Je suis assez vieux pour me souvenir qu'il y a 30 ou 40 ans, les équipes universitaires étaient très présentes en basket, au water-polo et dans tous les grands sports. Et souvent, ils étaient également champions de Hongrie. Et puis, petit à petit, ça a disparu. Mais on espère qu'avec des événements comme celui-ci, les étudiants vont retrouver un petit peu d'envie, un sentiment ancien de compétition, et que nous puissions
compétition, alors former des équipes qui pourraient devenir les meilleures. Avec 5 médailles d'or, dont celle par équipe, la Hongrie termine donc largement en tête de ses mondiaux devant la Turquie et la Pologne. Après une semaine de compétition, les 22e mondiaux universitaires de handball se sont achevés à Guimarães, au Portugal. Dans le tournoi masculin, ce sont les Portugais qui ont décroché le titre grâce à une superbe victoire face au Brésil. 29 à 23, score final, et une domination quasi permanente des joueurs locaux qui ont su résister aux assauts brésiliens pour remporter leur tout premier titre universitaire. Du côté des dames, ce sont les Brésiliennes qui ont su imposer leur loi en finale face à la Russie, 24 à 17 pour la Seleção. Voilà, vous savez désormais tout sur les dernières infos de la planète universitaire. Mais nous serons très vite de retour avec un nouveau numéro de Campus le 24 septembre. Alors, à très bientôt. Today's stars, tomorrow's leaders.